passionné quand t'es capable sur des bouteilles de bière avec son derrière. Hey, bonjour! C'est Jean-Serge de jeu de rôle on the go! Aujourd'hui, le sujet... One D&D. The D&D to rule them all. Qu'en pensez-vous du monde qui font pas leur stop, tabarnak? Qu'en pensez-vous du One D&D? Ça a été annoncé que Donjons & Dragons, Wizard of the Coast, allait sortir sa dernière édition qui allait être fully compatible avec la cinquième. Ça va être ça, là. Ça va être, il n'y aura pas d'autres. Ils veulent plus faire de 6e, de 7e, de 8e édition. C'est la One D&D que ça va s'appeler. Puis ça va être ça pour l'éternité. Bon, c'est sûr que c'est de la bullshit, là. Je veux dire, dans 20 ans, là, toute l'équipe de Wizard of the Coast va changer. Puis ils vont faire une nouvelle édition. Mais ça, c'est pas grave. Fait que c'est ça. Ça a été annoncé. Ils veulent faire ça un peu. Moi, de la manière que je comprends ça, c'est un peu à la Magic the Gathering, tu sais. Moi, je jouais à Magic quand j'étais jeune dans mon temps, je jouais à Magic et j'avais Fork. Puis j'avais des cartes, j'ai commencé au Revised, tu sais. Puis j'ai arrêté à Vision, Tempest, là, dans ces éditions-là, tu sais. Mais aujourd'hui, je peux sortir mes cartes des années 95, mettons. Puis je pourrais jouer contre les personnes d'aujourd'hui. Les règles n'ont pas changé. Les règles sont complètement compatibles, puis on peut toujours jouer. Donc, ça va toujours marcher, tu sais, oui, on va me faire péter la gueule parce que des fois, c'est juste débalancé, ce petit jeu-là, mais bon. Puis Donjons & Dragons aussi, il commençait à faire ça débalancer, tu sais, j'avais vu un survol des nouvelles races. Puis là, il y a des races qui ont des powers qui ont juste pas de bon sens, du coup. Il y a comme une évolution, mais ce que je comprends pas, c'est que Magic, le but, c'est d'investir de l'argent pour battre les autres, tandis que Donjons, c'est pas ça, tu sais, c'est d'investir de l'argent, oui, mais pour avoir du fun avec tes amis. C'est comme un co-op. Ah ben merci, il y a des gens qui sont fins aussi. Fait que, tu sais, je comprends peut-être qu'ils vont vouloir faire ça éternellement, parce que tu sais, dans le fond, quand tu vas sortir tes nouvelles règles, ils vont sortir comme un nouveau livre de règles, puis je pense qu'ils ont annoncé les races qu'il y avait dedans, puis entre autres, les races ne donnent plus de bonus de stats. C'est rendu ton background qui fait ça. Puis des backgrounds, ils ont rajouté le background fermier. Ben oui, il était-tu fucking temps, tu penses? Ça fait tout le monde, est-ce que j'étais un fermier et je suis rendu un aventurier? Mais il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas le background de fermier. Fait qu'en tout cas, là, les backgrounds te donnent des stats. Il y a le background de fermier, bien sûr. Puis il n'y a plus de demi non plus. Il n'y a plus de demi-elfe, demi-orc, demi-liche, demi... ben non, liche, ça n'a pas rapport. Là. Tu peux pas être une liche quand tu crées ton bonhomme, mais une demi-halfling, tu ne peux plus. Mais tu peux. Ah-ha. Il n'y a plus la race demi-elfe, mais tu peux prendre l'humain et l'elfe, puis faire ça ensemble, prendre les powers qui te tentent. J'ai un peu l'impression, là, ça c'est vraiment juste une impression à moi, depuis justement... Tasha's Cauldron, je pense là, que tu peux faire, tu peux mettre tes stats que tu veux, tu peux tout inventer, tu peux tout manipuler. Je trouve ça intéressant, mais c'est comme, là ils veulent mettre le jeu comme tout le monde fait ce qu'il veut. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Moi j'ai un blocage mental qui fait comme, oh, mais là c'est parce que c'est plate, tu peux jouer, tout le monde peut jouer ce qu'il veut, il n'y a plus de fun à être, hey, je vais jouer un bonhomme spécial, je vais faire, un halfling guerrier. Ben, c'est pas spécial, parce que tu te crées un halfling que tu lui donnes full de force. Puis, tu sais, il y a un petit quelque chose qui m'accroche, mais pas beaucoup. Tu sais, pas beaucoup. Je vais réussir à passer par-dessus, tu sais. Fait que, ben, c'est ça, le One D&D, là, j'ai juste fait un survol rapide, là. Il y a une vidéo sur Internet, là, c'est Wizard of the Coast qui parle de One D&D. Et il y a plein de YouTubers anglophones qui en ont fait une... Tu sais, quand tu fais une vidéo commentaire, ils ont fait une vidéo en commentant ça. Tu sais, il y en a plein. Puis là, moi, je pourrais être un homme un tabarnak. Hein, c'est ça qui arrive dans ma vie. Le gars qui parle vite, D&D Short. D&D Short, il l'a fait. Ben Milton, la Questing Beast, il l'a fait. Professeur Game Master de l'University of Roleplay, il l'a fait aussi. Ça, c'est Dungeon Craft. Fait qu'il y en a une couple là, qui ont mis leur grain de sel puis qui ont donné leur opinion sur le D&D 1. Fait que je vous suggère d'aller voir c'est quoi.
Dungeon One, d'aller écouter la vidéo, puis de vous faire une idée aussi de comment vous percevez ça. La dernière édition de Donjon, l'ultime, celle qui va finir, le monde va exploser, on va encore jouer à cette édition-là. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Parce que moi, je me souviens, quand je checkais, t'as eu comme la première édition, la deuxième édition, puis chaque édition durait de moins en moins longtemps. Tu sais, t'as eu, je pense que t'as eu comme 15 ans, 8 ans, 4 ans. J'ai raté en disant 4 ans, tu sais. Fait que, tu as eu 15 ans, 8 ans, 4 ans. Là, la cinquième, c'est une 2014, si je ne me trompe pas. Fait que, quand même, à son 8 ans. Fait que, déjà, elle a toffé un peu plus que les autres. Puis là, ils vont faire la D&D 1, qui on peut considérer comme une nouvelle édition quand même. Mais celle-là est supposée être à l'infini, et plus loin encore. Fait que, allez voir ça, j'attends vos réponses. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, là? Puis dites pas, genre, donjon, c'est de la merde, là. C'est pas le but de l'activité. Le but, c'est de dire qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y en aura plus d'autres. Tu sais, dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu vois, je vais sortir mon livre de 5e édition, puis je vais dire à mes petits-enfants, « Hey, on joue-tu à donjon? » Puis ils vont dire, « Yo, full grand papa rap. » Puis là, il va avoir un jet privé, puis là, il va me sortir son livre de D&D 1. Je dis, « Ouais, mais c'est compatible, ça marche ensemble, là. Compatible, pas rap, le vieux, tu sais. » Fait que, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'on va pouvoir jouer tout le monde ensemble comme Magic.